Je suis en train d'hésiter sur la casquette. Est-ce que je mets celle-là? Ou... celle-là. Je crois que je préfère celle-là. Et maintenant, je saisis sur la veste. Soit un truc comme ça, chill. Sinon, je vous montre l'autre. Soit un délire comme ça. Ou alors comme ça. Allez, ça part sur ça. Alors, je me pose la question de vous dire, de vous expliquer ce qui se passe dans ma vie là en ce moment. En vrai, c'est un gros bordel. J'ai fait une vidéo quand j'étais en train de me préparer où j'expliquais un peu. Ouais, je pense que je vais vous la poster. Du coup, il n'y aura pas de filtre, j'étais en train de me maquiller. Enfin, c'était en mode je me réveille et j'ai de mauvaises nouvelles. Et là, je sais toujours pas ce que je fais. Enfin bref, je vous mets la vidéo. Elle est un peu trop longue, donc je sais pas comment je vais la gérer. Et voilà. Bref, belle journée à vous. Moi, je vais essayer de gérer ça comme je peux. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, en gros, moi, ma journée, elle est un peu chelou. En fait, je me suis réveillée normalement. En fait, là, je suis venue à Los Angeles. Là, il y a 3-4 jours. Je suis arrivée mardi. On est samedi. Ouais, bon, bref. Je suis arrivée ici pour travailler avec une marque d'eau. Et en fait, il s'avère que le patron, je sais pas quoi, ils ont pas le temps pour moi. Donc, je suis restée ici à l'hôtel pour nada. Et là, ce matin, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, bah, faut que tu partes de l'hôtel. Ok, très bien. Mais je n'ai pas de billet d'avion prévu. J'ai rien du tout. J'ai foutu une mascara partout. Bref, donc, je sais pas. Et j'ai pas l'envie spéciale de rentrer en France. Donc voilà, là je suis en train de me préparer, mes valises sont faites. Mais peut-être qu'il faudrait que je me pose la question de où je vais avant d'aller chercher un bubble tea. Mais là, mon envie première, c'est ça. Voilà, j'espère que vous ça va. Bisous. Bon, du coup, je me suis pas posé de la question de où j'allais aller avant d'aller chercher un bubble tea. Là, j'ai envie d'un bubble tea. Par contre, le truc pour lequel je suis contente et que j'avais peur, c'était l'hôtel. Est-ce que l'hôtel allait être payé ou pas? Mais oui, j'ai fait le check-out et j'ai rien dû payer. Donc voilà, après les billets d'avion, c'est moi qui les ai pris. Donc est-ce qu'ils vont me les rembourser et tout? Voilà, donc go chercher un bubble tea et trouver des solutions. Ah ouais, j'ai des coups de soleil de ouf. J'ai mis de la crème hier avant de dormir, mais j'ai encore les poux. Du coup, bah, je peux même pas bronzer aujourd'hui chez Meg. Et même, je me suis couverte les bras et tout. Franchement, j'ai des coups de soleil partout. Il fait beau, tout le monde est... En fait, il fait plus beau qu'hier en plus. Et c'est pour ça, le souci, c'est qu'il faisait du vent hier, donc je ne pouvais pas la chaleur. C'est trop bien, ils mettent les bubble tea préférés des employés, genre. On est plutôt sur une journée de merde. Je suis habillée en blanc, je me suis mis du match là-dessus. Je suis deg. J'ai essayé d'enlever la tâche, ça se voit encore, mais bon, j'ai enlevé avec un masque, je savais pas bouger. Là, je vais me poser dans un parc, parce que dans tous les cas, je peux pas poser parce que j'ai cramé. Et je ferai bien du shopping, mais j'ai plus de place dans ma valise. Donc ouais, je cherche un parc. Alors, topo de ma journée, au final, je me suis pas posée dans un parc. Je suis retournée à l'hôtel parce qu'il y a un pote à moi qui vient me voir. Et là, finalement, je vais chez mon pote d'amour que j'aime à la folie. Voilà. Donc, c'est cool. Je suis trop contente. Et du coup, puisque je peux me relaxer maintenant, j'ai bien envie de faire des photos. Peut-être aller sur Hollywood pour voir les étoiles et tout. Voilà.
good. Bitch, it ain't no way I done went.